Robert Young, a Jane Wyatt, Eleanor Donahue, Billy Gray, a Lauren Chapin, Don Papa a raison. Les prairies, les montagnes et les canyons. Chaque bande a son chef, mais il n'existe qu'un seul étalon comme Fury, le roi des chevaux sauvages. Dans ce paysage grandiose, vivent des hommes rudes qui luttent pour gagner leur vie. Des hommes comme Jim Newton, propriétaire du ranch de la Roue Brisée, et Pete, son contremaître, qui est né, dit-il, avec un fer à marquer dans la main. So well, what a day when the apple fell for Tell in Switzerland. Come away, to the mountainside, look down to the path where the tyrants ride. Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension qui ne se conçoit pas seulement en termes d'espace, mais où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous à tout jamais. La quatrième dimension. Série Les Incorruptibles, nous vous présentons Pas de cadavre au Mexique. Avec Robert Stack, l'inspecteur Elliot Ness, Martin Landau et Vincent Edwards. Thank you.
Supercar. Supercar. Avec grâce et beauté, il bondit dans l'air, plus léger que le vent. Et du haut des cieux, comme un cormoran, il plonge au plus profond des mers. Supercar. Supercar. Il parcourt la mer, explore le ciel, les éléments en furie. Son pilote est le grand Mike Mercury. C'est la merveille des merveilles. Supercar. 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 Prête, Vénus? Prête, Steve. Attention, en route. Ada, je suis fatigué. J'ai envie de boire une bière. Tu ne sais donc pas qui c'est? C'est une célébrité. Ah bon, et qui est-ce? Je l'ai vu en première page du journal. On disait qu'il était à Rome. C'est Simon Templar, tu sais? Le saint. Le fugitif. Avec David Janssen dans le rôle du docteur Richard Kimble. Innocente victime d'une justice aveugle, condamnée à tort pour le meurtre de sa femme. Sauvé in extremis par un accident de chemin de fer qui lui permit de fuir à la veille d'être exécuté, Richard Kimble, à partir de ce jour, a vécu dans une solitude désespérée. Contraint de changer sans cesse d'identité, d'exercer tous les métiers, il est résolu à retrouver coûte que coûte le manchot qu'il est seul à avoir vu quitter les lieux du crime. Hercule, quand le soleil possible, fils de Jupiter, enfant du tonnerre, il descend sur terre, vite comme l'éclair. Hercule, qu'on appelle invincible, Hercule, à la force terrible, sonne les trompettes, battent les tambours, combien de poètes chantent la bravoure de l'invincible Hercule. Thank you.
fait son chemin en explorant l'Amérique. Il n'a peur de rien car il connaît bien les ruses des Indiens. Daniel Boone, c'est son nom, on le chante. L'histoire est remplie des exploits de ce coureur des bois. Jamais plus l'on ne vivra l'époque d'un bonhomme comme lui. À bord, il y avait le matelot et le vieux capitaine. Cinq passagers partis sur un pour 3 heures à peine. Pour 3 heures à peine. Soudain, le vent se lève au large, un orage imprévu. Sans le secours de l'équipage, ils étaient perdus. Ils étaient perdus. Sur les bords d'une île inconnue, ils se sont retrouvés. Y'a Gilligan, le capitaine, le millionnaire, son époux, la jolie star et leurs amis sur l'île de Gilligan. Tout le monde à son poste de combat. Appelle Capitaine Tempest, d'urgence. Attention, attention, alerte immédiate, alerte. Il peut se passer n'importe quoi dans les prochaines minutes. Thank you.
gaiement dans le grand vent des forêts. C'est un plaisir d'appartenir à la famille de Léo. Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Il tient des anciens, l'expérience de la vie. Mais il sait quand il le faut parler d'amour. Les petits fans sont amis, leur seul désir se réunir sous la bannière de Léo. Il n'a peur de rien, les loups tremblent devant lui. Il tient des anciens, l'expérience de la vie. Mais il sait quand il faut parler d'amour. Après sa mort, de se changer en petite souris ou en gros alligator. Mais quand je dis que ma petite mère est revenue sur terre avec quatre roues et un moteur, on me prend pour un menteur. Et elle roule, elle fait au moins du 15 à l'heure. Même si c'est un vieux modèle, on dirait qu'elle a les ailes. Elle a tour de roue, elle m'emmène n'importe où. Ma mère à moto, ma mère à moto. We'll be right back.
Les bois, les chemins creux, c'est fait pour moi. J'aime les coins-coins des petits canetons et les bébés des bébés des moutons. Moi, j'aime New York et son emprunt. L'herbe, ça me donne le rhume des foins. J'aime l'animation des carrefours. Je t'adore, mon amour, mais rends-moi mes faubourgs. Plein air. Bonheur. Nuit de fête. Viens donc, chérie. Adieu, ma belle vie. Hop envers, nous voici. Deux savants américains se sont égarés au cœur du temps, dans le labyrinthe des époques passées et futures, au cours des premiers essais ultra-secrets d'un prodigieux dispositif, le chronogyre. Tony Newman et Doug Phillips sont lancés dans une aventure fantastique, quelque part dans le domaine mystérieux du temps. Thank you.
cher oncle Bill. Avec Brian Keith. Et Sébastien Cabot. Souhaiter la bienvenue aux héros qui à l'écran n'ont jamais été vaincus. Parmi toutes les merveilles, leur magie est sans pareil. Nos amis super-héros sont avec nous. Supervaillants depuis la tête jusqu'aux pieds, ils vous laisseront vraiment émerveillés. Du plus loin des galaxies au plus profond des océans, vous partagerez la vie de ces héros hallucinants. Vous vivrez, on vous l'assure, les plus grandes aventures. Nos amis super-héros sont avec nous. De moi et ne bavardez pas, car voici la balade de Robert Fuset. Si elle n'est pas toujours tendre, faut pas vous surprendre, le bien et le mal s'y vont affronter. Voyez nos fusées comme elles viennent de loin, depuis l'immense domaine de Robin. Nous allons tous vers l'aventure, dans le ciel résonne nos fusées. Aucun ne peut nous arrêter, prenez place aux côtés de Robin. Il saura nous tracer le chemin, je vous prie de
joie, j'aime la flamme et vois-tu la vertu. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Un geste un peu trop précipité
va provoquer la terrible riposte des habitants d'un monde fabuleux, les Mystérons. Mais un homme va s'opposer à eux avec courage et opiniâtreté. Un homme que des circonstances fortuites vont rendre invulnérable. Il attend d'attraper les brigands en garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a puissant radioactif. Il s'envole sur un fil, il fait fi du péril. Attention, car l'araignée est là. Si parfois la nuit on découvre un mystère, l'araignée survit aussi vite que l'éclair. L'araignée, toujours là pour nous protéger. Il apporte des secours, il ne veut rien en retour. Pour lui, la vie est un combat là, et de l'action il y en a, quand l'araignée est là. Les envahisseurs, avec Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Les envahisseurs, des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. David Vincent les a vus. Pour lui, cela a commencé pendant une triste nuit, le long d'une route solitaire de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci que jamais il ne trouva. Cela a commencé par une auberge abandonnée et un homme trop fatigué par le manque de sommeil pour continuer son voyage. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial. À présent, David Vincent sait que les envahisseurs sont là. Qu'ils ont pris forme humaine. Il lui reste à convaincre un monde incrédule que le cauchemar a réellement commencé. Thank you.
spy. Just asking to steal. Code 459 à
Anémone 12, code 415, un homme armé, on demande du renfort. Autopatrouille, Anémone 12, accident, blessé possible. Rendez-vous immédiat sur les lieux, code 810. Autopatrouille, Anémone 12, répondez. Autour de moi.